C'est Yves Robert, effectivement, qui m'a donné l'occasion de tourner, là. Il m'avait raconté l'histoire de ce personnage que j'allais incarner, et puis de tous ces personnages qui étaient autour, et de celui avec qui je faisais couple, Jean Saudray. Ça a été une grande joie. Je le regardais de temps en temps, je me dis, mais c'est pas possible, il avait un visage très étonnant, Jean. Très, très étonnant. On avait, avec tout le respect que je lui dois, mais toujours l'impression ou l'envie de lui dire, mais attends, on t'a maquillé comment ce matin? Retire ton masque. C'était un personnage très étonnant. Et d'une grande drôlerie. Nous étions assis, je me souviens très bien, assis, on attendait le célèbre personnage qui allait descendre. Et on a vu tout d'un coup une jambe qui en croisait une autre, mais qui la croisait d'une certaine façon, si bien que c'est arrivé à la glissade, et qu'on a vu les deux jambes presque partir en avant. Il a failli partir du haut de l'escalier roulant jusqu'en bas, quoi. Alors ça, c'était très marrant, et c'était en fait notre première rencontre avec Pierre, la première rencontre drôlatique comme ça d'un personnage qui signait en fait sa drôlerie. Il nous donnait une grande impression de liberté. Il donnait le sentiment justement d'improviser. Et en même temps, il y avait une grande discipline. C'est de quelque chose qui était vraiment écrit et bien pensé, avec une caméra bien placée. Quand il tournait, il faut pas qu'il ait l'air de dire « Ah, 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 vous voyez comme je suis drôle !» Ça, c'est raté. Pour moi, c'est raté. Et pour Francis aussi, Francis Weber, c'est la même chose. On peut dire qu'il y a chez Yves Robert une certaine gestuelle qui reste de ce qu'il était en tant que comédien. Francis, c'était pas un comédien, mais il a un sens de la gestuelle, d'une certaine gestuelle qui est dans son esprit, qui est une autre vision, justement, et qu'il utilisait chez Pierre Richard. J'aurais aimé être dans le deuxième. Quand on meurt dans le premier, on se dit « Merde !» Il y en a un qui va être tourné après et on n'est pas dedans. J'aurais aimé être dans le deuxième pour être avec toute cette équipe et tous ces gens et tous ces gars qui étaient là et que j'aimais tellement parce que c'était une fête, quoi. C'était un grand plaisir, c'était une espèce de jeu comme on en a fait quand on était enfant.